J'ai fréquenté le club des petits déjeuners à l'école Lionel Gros. J'étais présente à l'ouverture le 1er novembre 1994. Du haut de mes 6 ans, à l'époque peut-être, là, c'était excessivement impressionnant. Tout le monde avait le cœur sur la main. On voyait qu'ils étaient là pour les enfants. C'était toujours une petite surprise. C'est quoi ce matin? C'est quoi le menu? Puis on déjeunait ensemble. C'était très rassembleur. J'ai vu l'authenticité de l'organisme. C'est aussi de voir l'évolution. Ça a commencé dans ma petite école à Longueuil, puis de voir que c'est pan-canadien aujourd'hui. C'est beau de voir l'impact positif que ça a eu. Ça nourrit de plusieurs façons plusieurs jeunes. Un legs testamentaire, c'est un legs qu'on va venir prévoir dans le testament, où est-ce qu'on va venir prévoir soit une somme d'argent ou encore un pourcentage de notre actif qui va être légué à un organisme qui nous tient à cœur, comme par exemple le Club des petits déjeuners. Alors, un legs testamentaire peut avoir plusieurs avantages. C'est sûr que la satisfaction de donner, quand on donne à un organisme comme le Club des petits déjeuners, bien, on a un degré de satisfaction super élevé. Il y a également beaucoup d'avantages fiscaux qui sont prévus par nos gouvernements pour stimuler les dons au Canada. Alors, dépendamment du bien, des sommes d'argent, des montants qu'on veut donner, il va y avoir des règles qui vont venir s'appliquer, qui vont venir réduire le coût du don pour la succession. Ces règles-là vont être très, très avantageuses. Un autre avantage super important, mais c'est sûr que c'est la pérennité de l'organisme qu'on a à cœur. Si on veut donner au moment de notre décès, le legs testamentaire, c'est la chose à faire pour s'assurer du maintien et de la mission de l'organisme malgré le fait qu'on sera plus là. Les gens vont décider de donner dans le testament, mais ils ne voudront pas nécessairement en parler. Ils vont vouloir garder ça secret ou de façon anonyme. Moi, je pense que c'est super important d'en parler, de le mentionner aux gens du Club des petits déjeuners. Ils vont tellement être contents de vous remercier, de vous célébrer, parce que c'est vraiment avec vos dons qu'on va faire toute la différence dans la vie de cet organisme-là.